Salut les touristes, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment entretenir le piston de sa douche solaire. Donc ces douches là sont hop à compression, vous voyez, c'est les systèmes de comme les pulvérisateurs en fait. Et donc dans ce corps de pompe qui est juste là, hop, je la dévisse. Voilà, dans ce corps de pompe, vous avez un petit joint à graisser et donc je vais vous montrer comment la démonter. Bon, voilà le petit bonus, hein, comme je ne les ai pas utilisés depuis un moment. Là, celle-là, ça va, mais j'en ai profité pour graisser l'autre joint. Donc là, il y a une goupille qui est là, on la voit très bien, en orange, avec les deux pattes là. Donc je vais repousser les pattes. Une, deux, voilà. On retire la goupille. Et voilà. On a ce petit joint là. Donc là, je vais le laver. Et je vais y mettre de la graisse alimentaire. 2000 years later. Voilà. Hop. Alors voilà moi ce que je fais pour l'entretien de ma douche Quechua. Et voilà. Hop, on remet le clip. Et voilà, c'est reparti. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment tout bête à faire et ça prend très peu de temps. Alors, surtout, mettez de la graisse alimentaire, mettez pas de la graisse pour la mécanique, hein, ça n'a rien à voir. Et voilà, donc ouais, franchement, nous ces douches là, une douche, on arrive à se doucher à 4 si, bah, si les trois filles ne se lavent pas les cheveux. Par contre, si elles se lavent les cheveux, là c'est sûr qu'il nous faut une douche et demie environ. Donc on les a utilisés tout l'été et franchement, ouais, c'est extra. On les utilise, ça fait celle-ci, ça fait 3 ans qu'on l'a, qu'on l'utilise et on n'a aucun souci avec. Hop, donc là c'est le tuyau avec la petite poire et tout ça c'est d'origine et franchement c'est vraiment parfait. Hop, donc ici on emboîte ce petit tuyau là et puis du coup avec la pression, bah, vous prenez votre douche comme ça et ouais, franchement, ouais, c'est nous, on regrette pas du tout cet achat. Alors ça coûte 45 euros, mais ouais, c'est vite amorti et au moins vous pouvez prendre une douche chaude en vacances, enfin partout où vous êtes, dès qu'il y a du soleil, vous mettez ça au soleil et puis ça prend la chaleur. Donc nous en camping-car, on la met sur le toit, j'ai une échelle sur le camping-car. Et du coup, je me permets de la poser sur le toit et on n'a aucun souci, on ne se l'est jamais fait voler, rien du tout. Donc voilà. Je suis en train de voir avec Decathlon, hein. Moi là je ne suis pas payé pour cette vidéo, je vous en parle parce que j'aime bien partager, quand il y a des bonnes choses à partager, je les partage. Je suis avec Decathlon en message pour le moment et je suis en train de voir de comment entretenir la poche en tissu elle. Donc voilà, j'attends une réponse de leur part, j'espère que j'ai envoyé un message hier, aujourd'hui j'ai pas eu de réponse, donc voilà, j'espère avoir une réponse assez vite. Voilà pour cette vidéo, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut !